Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes en 1223 sous le règne de l'impératrice Morgane de Bretagne qui a 46 ans. Notre fils a une héritière, Yuena, qui est bretonne, c'est très bien, mais qui est malade. Ça c'est fâcheux. C'est fâcheux ça. Aïe aïe aïe. Bon. Bon, on va voir comment ça se passe. De toute manière, il nous faut un fils. Donc, d'ailleurs, Léo Dagan, on va le mettre là-dedans. Et donc, on est toujours une menace. Du coup, il y a une grosse coalition. Et du coup, il va falloir attendre un petit peu avant de redéclarer une petite guerre. Mais comme ça, ça nous permet de construire tranquillement. Là, je pense qu'on va bientôt avoir à tataner nos vassaux une fois de plus. Ça coûte beaucoup trop cher. Mais ceux qui sont au conseil, ils devraient pas avoir le droit de nous emmerder, hein. Ils devraient pas avoir le droit d'entrer dans des factions. Surtout que le conseil n'est pas insatisfait, donc pénible, hein. Pénible ces histoires. Centralisation, ça on s'en fout. Hop, hop, ça c'est bon. Garde des vaxos externes. Tac. Ok. Ok, c'est good. C'est good, c'est good. Du coup, les obligations, on est déjà au max de ce qu'on veut faire. C'est cool. La famille d'abord. Viviane devient une ombre insaisissable. Ah, parfait. Parfait, parfait. Vivienne va devenir charitable. Hop. Et on accepte. Hop. Faction dangereuse, 112%. À tout moment, il nous demande. On accepte d'entrer en guerre aux côtés de l'Empire byzantin. Contre l'Italie. Oh là là. Pour ce petit territoire, très bien. Ok, là on a fini de construire la tour. Alors là, je pense que l'événement 5 juillet 1225. Ok, bon, on va en profiter pour construire une dernière fois avec nos dernières économies. Terre d'entraînement. Ça c'est bien ça. Hop. Ensuite on va construire une liste de joutes à moindre prix. Oups. On va construire. Ah, c'est pas fini là. On va construire une caserne. Hop, et là on a plus d'argent. Donc qu'est-ce que tu veux? Doivent se fiancer. Qui es-tu toi? Bon ok, pourquoi pas. Si tu veux. Tac. Ah bah voilà. On ne me fera pas chanter. Pourtant tu voulais plus être mon rival toi. Tac, et du coup on va entrer en guerre de révolte, encore une fois, encore une fois. Ok, alors on va voir où ça va nous mener. Parce que là, du coup, on n'a plus trop d'argent. On peut usurper le vice-royaume de Wessex. Ouais, bon, on va faire ça, tu vois. Tac. Et du coup c'est où le V6? C'est ici. Très bien. Du coup tac, concéder une vice-royauté. Vice-royauté mineure de V6. Tac, félicitations. Ensuite on va appeler nos alliés à l'aide. Tac. La Croatie. L'Austrasie. Et la Valachie. Tac, il nous faut un nouveau maréchal. Oh, Gauvin, dis donc, tu es balèze. Tac. Ensuite, ça c'est bon. Un maître espion, on n'a pas le choix. Lui, il est puissant. Et voilà. Ok. Ok, ok. Donc, combien d'armées a notre opposant? 40K.
Ah ouais. Ah ouais, ok. Donc, où ça se passe? Ici, il y a pas mal de révoltes. D'accord. Mais je pense que le gros, c'est... Ouais, le gros, c'est l'Andalousie. Bon, on va se concentrer d'abord sur l'Andalousie. Allez. On va lever les troupes des vassaux dans un premier temps. Et si on en a vraiment besoin, on lèvera les nôtres. Parce que on est plutôt proche de notre argent. Ok, alors ici je pense que ça va être compliqué. Donc là on va essayer d'aller par là. Ici on va essayer d'aller par là. Et là on va directement prendre le bateau. Et du coup, par ici, on a... Alors toi c'est où tes terres? Ah c'est que là. Ok, donc on va essayer de prendre le bateau comme ceci. Voilà, la mission fuir. Tac. On va prendre le bateau directement aussi. Et là aussi. Hop. Ici aussi, on va prendre le bateau. On va l'amener par là, on se rejoint tous ici pour l'instant. Et après, on fera le grand convoi. Hop. Allez, on va tenter comme ça. On prend le bateau, on va ici. On va peut-être même ici. Voilà. Là, est-ce qu'on aura assez... Oui, on aura assez. Parfait. Aïe! Ah, il refuse. Il a dû perdre un max de prestige, ce con. Ok, il rentre... tous les autres rentrent en guerre à nos côtés. Alors là, ma foi, je pensais l'avoir envoyé. Commandant, il nous faut deux commandants. Donc ce sera toi. Et toi. Donc là on a 20, 72, donc ça sera très suffisant. Ici comment on s'en sort? On s'en sort bien. Ok, on rassemble le tout. On a 3000 hommes. C'est plutôt cool. Ici on en a 13 000. Je pense qu'on va aller focus cette armée d'abord. On va aller fumer, on va écraser l'Angleterre. On va prendre des bateaux. Ouais, on va aller en Angleterre, on va écraser le stack anglais. Pour commencer, néanmoins. Naoned prospère. Alors que la prospérité économique de Naoned s'intensifie, la terre jusqu'alors considérée comme à faible rendement augmente en valeur. 1800 pour ajouter un emplacement? Ah, c'est beaucoup trop coûteux. La dernière fois, il nous proposait 700 et déjà j'ai dit non. Alors, 1800, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, tac. Mince. Prends le bateau. Et on se retrouve directement. On a combien? 91, c'est parfait. Donc, on se retrouve par là comme ça. Là, eux, on va les amener directement ici. On va s'occuper du stack anglais, ça va être sympa, c'est moi qui vous le dis. Ok, les vassaux sont pas contents, mais au bout d'un moment, il faut faire la guerre. Ils viennent de fermes plus petites, certains avec une chèvre ou un cochon à vendre, certains avec un panier de fruits ou de légumes uniquement, et d'autres avec une charrette pleine de produits. Les paysans veulent leurs produits vendent leurs produits dans les murs de la cité, mais les citadins ne sont pas d'accord et veulent interdire cette pratique. Allez, ben, il vaut mieux que le bourgmestre ait moins 10 plutôt qu'on ait... Ah, impôt citadin plus 15%. Alors, on va regarder les risques de révolte. Ils sont quasi nuls. En tout cas, chez nous. Donc, très bien. Les paysans causent toujours les ennuis, ne laissez pas entrer et on gagnera plus de sous. Parfait, parfait, parfait. Et alors, ici, on prend le bateau. Ah, on a oublié 79, bonhomme. Non, c'est pas grave.
Donc on aura besoin de tout le monde. Hein. Voilà, parfait. On a hérité d'une baronnie. On va créer un nouveau vassal. Hop. Ici. Tac, on prend le bateau. Et on se rejoint par là. Hop. On commence à avoir quelques troupes. Une période de prospérité à Domnionia. On baisse la flotte. On est à 14 000. On amène la supériorité numérique. La guerre civile actuelle a incité aussi bien de loyaux vétérans que divers aventuriers à rejoindre Naoned et à s'y rassembler. Parfait. Ah, très bon ça. Très très bon. Très bon. Hop. Du coup on va aller venir les chercher. Et donc là on va bientôt rouler sur ces fumiers. Alors qu'est-ce que c'est que cette armée là? C'est des rebelles. 3800, ok, on s'occupera d'eux plus tard. Tac, parfait, c'est ça, des loyaux, des sujets loyaux, c'est beaucoup trop rare en ce moment. Ok, et donc là on va marcher sur l'armée rebelle, l'armée du prince Guetancor. En tout cas, on va voir s'il sera toujours gay après ce qui va lui arriver. Il y a une rivière qui entoure de partout le comté, c'est pas grave, on a une supériorité numérique écrasante. On va lui marcher sur la tronche. Tac. Ouais, c'est bon, je pense qu'on a des bons généraux. Voilà, ça va être du sale. Hein. Alors, on a... Oh là là, il perd tellement sur ce flanc. En même temps, il a pas mis de commandant. Parfait, on l'humilie. On a perdu 700 hommes, il en a perdu 7000. Fort bien. En plus, il termine au cachot. Très bonne chose. Je pense qu'il va aller se réfugier par là. Ah ouais, tout au bout. En tout cas, il n'aura plus d'endroit où aller. Et là, on va le détruire. Ok, personne n'assiège ici. Ok, la prochaine étape, c'est ce stack. Le stack parisien. Donc, l'armée du vice-roi mineur Arcmael. Donc là, on a 9000 hommes. Et ici, on a des Italiens. Mais ça, on s'en fout. Donc, ok, on extermine cela. Après, on va s'occuper des Parisiens. Alors, on va essayer de pas se manger d'attrition. Alors on arrive le 22 décembre et lui il arrive à fuir le 20 décembre. Du coup, on va passer au 19. Tac. Et on va commencer à emmener un faucon à la chasse. On va voir comment ça se passe. Et du coup, on va l'attaquer directement ici. Normalement, on devrait l'avoir. 28 décembre, on arrive le 28. Aïe. Comment ça défaite? Comment ça défaite? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, j'ai dû cliquer. Ma foi. Bah, on est tous les deux en défaite. J'espère que ça va pas bugger. Et... Bon. Ok, bon, on le pourchasse. De toute façon, on va finir par le choper quelque part. Hein, donc voilà. Hop. Ça c'est bon. Ok, on l'a totalement écrasé. Ah, j'aurais peut-être dû penser à prendre plus de bateaux. Enfin, à les préparer avant. Bon. On a combien? On a 98 bateaux. Il nous en faut 300. Il nous faut 300 bateaux. Donc, hop, on va lever les bateaux d'ici. Ok, c'est un bon début. Ok, bon là je pense qu'on va y arriver tranquillement. Voilà, on se fait une petite marge. 144, parfait. Donc là on va essayer d'aller sauver le siège de Melun.
Révolte. Où ça? Ok, bon, ils sont 2000. Je pense qu'on ira leur faire coucou en temps voulu. Là, c'est bon. Mince. On fusionne tout. On prend le bateau. On arrive à Évreux. Et on tue. On tue. Tac. Et là, je pense qu'on va arriver pile poil à temps pour sauver. Enfin, pour que le siège n'ait pas lieu. Hop. Et tac. En plein dans le dos. Ça, c'est cool. Ah, mince, j'ai pas regardé. Bon, on a presque rien perdu. Lui, il en a perdu apparemment 6000, je crois. Je crois qu'il en avait 11000. 11000 ou 13000. Bon, en tout cas, c'est un bon rapport. On devient fauconnière. On va à Touraine. Ok. Et on va le finir à Saintonge. Bon, on a bien réussi à s'en sortir en ne levant que les troupes des vassaux. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, il s'enfuit le 20 juillet. Et ah, on n'arrivera pas à le choper, malheureusement. Ok, il va à Agen le 9 août. Alors, normalement, nous, on va arriver ici. Et le 8 août, on va en direction d'Argent pour le fumer. Tac! Alors Bernard, c'est qui le patron? Donc là on l'a exterminé. Où est-ce qu'il est? Où est sa dernière armée? Où est sa dernière armée? Je demande une réponse. Ici? Oh là là, il lui reste plus rien. Bon. Donc il va vers la marche, ok. Et ben on va le rejoindre quelque part. Parfait, hop, et là on l'extermine, on a 58%. Tac, si on tue. Hop, et là à toi, pareil. Hop, voilà, ok. Bon là on a fait du bon petit nettoyage de printemps. Qui est-ce? Ça on s'en fout. Non, on l'a humilié quoi, rien qu'avec l'armée de nos vassaux, on l'a... Et du coup, ça nous a permis de gagner pas mal d'argent, enfin d'économiser beaucoup d'argent. Mais le truc, c'est qu'on a notre escorte dans le tas, et du coup, à chaque fois, il faut la recharger, et ça nous coûte beaucoup d'argent. Mais bon, c'est un mal pour un bien, on aurait perdu plus en levant nos propres armées. On va aller assiéger sa capitale, il ne peut y avoir que 17 000 hommes dessus. Du coup... Bon, on va aller assiéger ces deux comptes en même temps. Ça va être sympathique. Donc, on va attendre par ici, tranquillement. Que les bateaux arrivent. Hop. Donc là, on a 129. Il nous en faut encore un petit peu. Oh. Donc là on a combien de bateaux? 396, bon c'est un peu trop mais c'est pas grave. On va baisser ceux-là, on va mettre un peu plus de temps. Tac. Pendant ce temps, la menace, 9%, c'est bon. Une fois cette guerre finie, on va pouvoir récupérer les petits bouts qui essayent de... Enfin, qui nous... comment dire? Qui nous narguent. Ah bah je crois qu'il y en a un qui a déjà récupéré là. Et notre fils, il a dit, ok, ben ici c'est chez moi quand même, hein, donc il a dû faire la guerre tout seul, c'est très bien. Léodagan semble adorer ranger et compter les choses. Ok, Léodagan va être avare. Mais en diligence, c'est mieux. Bon bah, ben, il sera avare. Allez, allez. Allez, allez. Tac. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... alors on va scinder la flotte en deux. Et on va scinder l'armée en deux aussi. Tac. Hop. Voilà, donc vous allez là. Et vous allez assiéger la capitale. Juste ici. Donc vous allez atterrir par là. Et du coup, vous,
vous allez assiéger son autre comté. Donc vous allez atterrir, bon, vous amenez directement ici et vous débarquerez tranquillement. Du coup c'est lequel? C'est lui l'autre. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là il essaie d'un petit peu de remobiliser ses troupes, mais c'est peine perdue, il a 3K. On en a 44 possiblement. Donc là on va directement assiéger. Hop, on baisse ceci. Et là on débarque tranquillement. Parfait, on prend pas d'attrition. C'est très très bien. Ici on va pouvoir baisser la flotte bretonne. Ça c'est good. Moi j'ai l'impression que nos vassaux ne nous tiennent pas à rigueur qu'on lève leurs troupes. C'est plutôt sympa ça. Ma foi. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc là, je pense qu'on va finir cette guerre dans le Grand Nord. Donc une fois qu'on aura... Ah, on nous propose de donner 300 pour 50 points. On va payer. La tech, c'est la vie. Est-ce qu'on prend de la majesté ou est-ce qu'on attend du légalisme? Non, je pense qu'on va prendre de la majesté. Hop. Tac, le légalisme, je pense plus qu'il serve à grand chose. Ici, la construction aussi, ça me paraît bien parce que les temps de construction sont un petit peu longs. Voilà, on va faire ça. Là, un bâtard, hop, Osef. Osef, Osef. Pas de siège chez nous, pas de siège ici, pas de siège là. Très bien. Donc là, on poursuit. On poursuit, on poursuit. Ah mais je crois qu'il y en a un qui est balèze en siège. Ah mais on l'a mis au... On l'a mis au conseil, il me semble. Ouais. Ok. Ah mais c'est un antipape ça. Ma foi. On va vérifier. Ouais non, c'est pas le même, ça doit être un antipape. Ok. Donc, premier siège fini. Le deuxième ne va pas tarder à suivre. En plus, il n'y a que deux territoires. Tac, d'accord. Là aussi, il n'y a que deux territoires. Bon, ça va aller relativement rapidement. Aïe, on prend l'attrition. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être l'hiver. Ouf! Ah, ce qu'on a mangé! Ah, mais c'est pas possible ça! Bon, on va faire ça, histoire de vite finir, parce que là... Ok, on est à 100%. Ah, mais comment on a pris cher? Ah, j'ai mal. Mon cœur de breton souffre. Non, pas du tout. Oh là 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 là. Ah bah ouais, on a perdu la moitié de nos troupes dans un hiver pété, là. Putain. Ah, ça fait mal au cul, ça. Oh. Ok, on accepte d'entrer dans la guerre croate. Ah là là, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. Et je vais avoir mal au portefeuille aussi. Bon, là, le temps de se recharger, ils vont tranquillement redescendre à pied. Parce qu'en bateau, ils se rechargent pas. Ouf, ouais, c'est douloureux ce qui vient de se passer là. Ok, donc là on est presque plus une menace. Donc ça c'est cool. Notre fils Léodagan devient faiseur d'or. Très bien, et on va le marier à la duchesse de Barcelone. C'est pas mal ça. Duchesse de Barcelone ou duchesse de Gascogne? La duchesse de Barcelone est faible, donc elle a plus de chances de crever avant de faire des héritiers. Du coup, on va le marier à la duchesse de Gascogne. Avec un peu de chance, la duchesse de Barcelone meurt et elle hérite de tout. Donc on va faire ça. Tac. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut essayer de l'assassiner? Ouais,
Bah non, ça va nous coûter trop d'argent. Non. Ok, on est presque plus une menace. On va bientôt pouvoir se défaire de la coalition et attaquer Vermandois. On va commencer par Vermandois, après on fera Berry et l'autre. Ça va être sympa. Ok. On reforme notre escorte petit à petit. Donc là il reste combien? Il reste quelques mois avant de passer en dessous des 5%. Ils nous demandent encore des choses, donc on leur dit non. Par contre, j'ai oublié de gérer tous nos fumiers de duc. Il est toujours roi, lui? Ouais, il est toujours roi. Ah bah lui, il s'était pas rebellé, il me semble. Ma foi. Oh, il est bête. Il est lent, moins 3 partout. Ah, ça fait mal, ça. Alors, pourquoi t'es dans mes prisons, toi? Qu'est-ce que tu as fait pour être dans mes prisons? Ah bah oui, bah c'était toi qui... Enfin, c'est ton père qui a commandité. Il est mort comment, d'ailleurs, ton père? C'est lui, non? De mauvaise santé, ma foi. Bref. Tous les ducs, là. Tous les ducs qui sont dans mes geôles, qu'est-ce que j'en fais? Depuis 23 ans en prison. Alors toi, je vais te rançonner. Et tous les autres... Toi, je vais... Alors, j'ai pas hérité d'un duché un peu pérable. Hein. Duché de Braise, duché de Normandie, vice-royauté, duché d'Anjou. Ouais, voilà, celle-là. Vous savez, faut que je m'en débarrasse. Donc, toi, concédez une vice-royauté. Tac! Félicitations. Et du coup, je vais pouvoir me débarrasser de toi. Eh bien, il y en a beaucoup des ducs hein, en prison. Alors, transférer en résidence surveillée. Transférer en résidence surveillée. Transférer en résidence surveillée. Transférer en résidence surveillée. Ordgar, transférer en résidence surveillée. Transférer en résidence surveillée. Encore un. Encore un. Toi tu vas sortir, toi aussi. Transférer au cachot, non. Ah, ça c'est bon. Alors, parmi ces vassaux là, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont trop puissants? Auxquels je peux retirer quelques titres, ça ferait toujours plaisir. Ah, toi t'es balèze toi. Toi on va te retirer des trucs. Alors, comté de Cordoue. Ça a rien à faire chez toi le comté de Cordoue. Désolé, mais pas désolé. Tac. Voilà, ça c'est cadeau, c'est la maison. Condeleux. Non. Méduille, non, pas puissante. Ah, toi t'as l'air balèze toi. Comté. Ok. Je vais t'enlever celui-là. Hein. Annuler. Le comté de Shetland. Tac. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ordgar, il est pas balèze. Non plus. Mince. Toi non plus, t'es pas balèze. Et toi non plus. Ok. Donc ça c'est fait. On a deux comtés à donner. Donc celui-là, là. Alors, à qui est-ce qu'on va les donner? Tac, donc. Hop, on refait le filtre. Dans les jeunes, là. Toi. Toi, tu vas hériter de rien, toi. Vu que tu as un frère de 23 ans qui a déjà des enfants, tu n'hériteras de rien. Donc, accordé. Tu es bien breton, c'est très bien. Tac. Comté de Shetland. Hop, félicitations. Et il nous en faut un deuxième. Toi. Toi, c'est ton frère qui a tout hérité. Du coup, parfait, tu es breton. Tu vas hériter du comté de Cordoue. Félicitations. Hop, ok.
On est bon. Non, il faut que je transfère le vasselage. Hop, voilà, mon débarras. Ok. Et du coup, là, du coup, il nous manque quelques troupes. On est toujours une menace, plus pour longtemps. Parfait. Voilà, on va pouvoir le fumer. Alors, très important, entre Amiens et Vermandois. Ok, bon, il y a des trucs de partout. Il a quand même trop plu. 2K. Bon, ça tiendra pas le coup contre face à notre troupe de choc. Et du coup, tac, revendication de jure. Ou alors, non, il veut pas se vassaliser. Du coup, ça se fera dans les armes. On n'a pas vraiment besoin de nos alliés. Tac, là, on l'humilie. Voilà, 55%. Et du coup, là, on n'a plus qu'à patienter. Ah! Notre chapelain est devenu un hérétique! Au bûcher! Au bûcher! Tac! Et du coup, il nous faut un nouveau chapelain. Hop! On peut faire appel à nos alliés, mais ça, on n'en a pas vraiment besoin. Et du coup, il y a le siège qui va tranquillement se faire. Et je pense qu'on verra la prise de Vermandois dans le prochain épisode. Allez! Salut à tous! Ciao! The power of the dark side.